C'est beaucoup de hasard et c'est une belle rencontre. En fait, quand je suis sorti de l'université, je voulais faire un doctorat sur le cinéma d'animation, en Belgique en particulier. D'une part par facilité, parce que c'est plus simple de travailler sur un territoire qu'on connaît, et d'autre part parce que voilà, je trouve que l'animation en Belgique, il y a autant d'animations différentes que de réalisateurs différents, qu'il y a énormément de choses à raconter, et que, comme souvent, c'est mal connu, sauf à l'étranger, mais sur le territoire relativement mal. Puis un jour, je me dis, tiens, Raoul Servais, c'est quand même incontournable. Je vais essayer de rentrer en contact avec lui, sans trop de conviction, parce qu'on est à ce moment-là, il y a 4 ans, 5 ans. Par un miracle, je trouve son adresse mail, je lui demande si je peux le rencontrer, il me propose de venir chez lui. Il s'avère qu'à ce moment-là, je n'avais pas le permis de conduire, donc voilà, je me dis, c'est un peu embêtant. Il habite dans la campagne Ostende, à 12 km, sans transport en commun, sans rien, et il propose de venir me chercher, à moto. Et donc, ma première rencontre avec Raoul, ça a été ce petit voyage dans les campagnes ostendaises avec Raoul, 83, 84 ans, à moto, pour m'amener chez lui et m'accueillir et m'offrir et m'ouvrir toute son œuvre. Au fur et à mesure qu'on a filmé, parce qu'on a quand même filmé pas mal de temps, on a filmé presque un an, plus que moi j'avais déjà fait avant les rencontres avec Raoul, etc. Et à chaque fois, il y avait plusieurs personnes qui arrivaient systématiquement avec de nouveaux projets sur Raoul. C'était assez fou. Et parfois avec des choses, parce que la VRT faisait par exemple en même temps que moi, c'était avec plus de moyens, ils avaient plus de matériel, des chariots pour faire des mouvements de caméra un peu complexes, etc. Donc on était là avec notre petit matériel, c'était un peu bizarre. Je voulais vraiment rester à hauteur d'homme. Je voulais vraiment qu'on soit avec Raoul tout le temps, mais de manière proche. Et donc je ne voyais pas vraiment l'utilité d'avoir une dolly, d'avoir un steadicam, ce genre de choses, quoi, voilà. Et je voulais surtout travailler sur les compositions de cadres. Sur les lignes de force, ce genre de choses. Je voulais repartir du cinéma de Raoul au niveau visuel pour m'en inspirer, pour ma propre façon de filmer. Ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, pourquoi Mémoire d'un artisan? Parce que c'est un des thèmes principaux du film que je voulais mettre en avant, c'était ce côté que Raoul n'a pas fait des films pour la gloire, pour l'argent, même pour en vivre. Il a fait des films parce qu'il avait envie de les faire. Ce que vous allez voir, c'est pas un grand cinéaste hollywoodien, c'est pas un grand monsieur qui travaille avec des gros moyens, c'est quelqu'un qui fait du cinéma avant tout par plaisir. Et je pense que c'est aussi l'un des grands traits de Raoul, c'est que quand il fait un film, il le fait parce qu'il a envie de raconter quelque chose à quelqu'un. Il ne fait pas un film juste pour lui, mais pour un public. Et je trouve ça très très fort et ça traverse toute son œuvre au sens large. On tournait en noir et blanc, sur un fond blanc, et avec cette copie-là, on parvenait à imprimer les images sur des feuilles de cellophane. Tout consistait à transposer une image live action sur une feuille de cellophane. Et la machine qu'on a mise au point fonctionnait très bien pour faire cela. Le restant est à considérer comme pour un dessin animé traditionnel. On colorie au verso de la feuille de cellophane transparente, on la dépose sur un fond peint. Et on filme image par image, comme pour le dessin animé. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.